Hey, j'ai une nouvelle. Attends, j'arrive, me gare. Prépare tes valises. Hey, Vincent, c'est un fou. T'as une bonne nouvelle, c'est quoi? On part en vacances encore. Je te vois plus que mes frères. Maintenant, on va se voir pour s'entraîner, pour continuer le confinement avec vous pendant nos entraînements. Mais on va pas prendre de risques. Lui, il va faire sa séance de ce côté. On va pas toucher les mêmes barres. Et puis le check, la fusion des DBZ. Même comme ça, on peut se faire la main. DBZ, c'est comme ça. On passe comme ça. On peut juste. Fusion. Non, mais les clients, ils vont nous voir pour la maison. C'est pas grave, j'ai le droit, moi. Non, mais moi, je te crois. Bah, si, je te coach. Tu me payes, là, non? C'est mon client. Le truc, je vais te dire, tu vas bander. J'espère que vous allez bien. Bon, première séance en 4 jours. Oh là, j'ai jamais fait 4 jours de repos. Oh là, ça m'a fait du bien. Oh là, je vais soulever des mers, des bars. J'ai pas la carte. Ma bite. Mal d'être dans la voiture. Mais non. Je reviens, les gars. Tu peux leur parler. Et voilà, c'est un mec qui fait peur, lui, pour oublier sa sœur. Les amis. Les amis. Bon, j'ai dû perdre 3 kilos de muscle, je le sens. C'est pas le muscle qui est fait l'homme, non, non, ni la Mustang. Un petit monster, j'ai plus de booster, les pharmacies sont fermées. Enfin, la pharmacie où je me ravitaille. Oh là, j'ai perdu au moins 4 kilos, c'est incroyable. Le biceps, c'est tout le temps là, y'a que mes biceps qui partent, quoi. Mais le reste, il part à chaque fois. Ça, c'est la carte pour faire l'amour à tout le monde. Sésame, ouvre-toi. Putain, vas-y, comment on fait? On va l'appeler. Je suis bloqué devant la salle, la carte elle passe pas. Tu sais pas à quelle heure tu vas pouvoir venir? Ah bah c'est gentil. Ok bah merci Serge. A tout de suite. Ah putain. J'ai un midi où je suis à jeun, là j'ai pas mangé. Je t'avais dit de prendre un café gros. Un café c'est pas de la nourriture. Bah non mais on va s'entraîner, il va arriver. Ah mais encore une heure on doit attendre gros douche. Bah ouais c'est ça le problème. Moi je dois manger à midi. On a déjà jeûné des jours et des jours et des jours. Ah mais là je vais m'entraîner, j'aime pas m'entraîner déjà en jeûnant. Une heure ça veut dire à quelle heure on va s'entraîner là? 11h30. Oh lolo. La nouvelle je te l'annonce. Ah, c'est tout ton fantasme, c'est un fantasme. Ah tu vas me dire Alex Villani, t'as parlé avec. C'est ton fantasme. Non mais chut c'est ça. Non? T'as pas parlé à Body Time? C'est mon fantasme, c'est pas mon fantasme. Je sais qu'il sait que j'aime bien. Le prénom? Non, c'est quoi? C'est quoi déjà? Laisse-moi lire ce que j'envoyais. On va rencontrer quelqu'un. Yo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a fait un feat avec Solidman. Avec la vidéo sortira sur sa chaîne et aussi la nôtre. Nous sommes en train de monter en abonnés, enfin nous n'avons pas le million comme vous. C'est quelqu'un qui a le million. Le million? Ouais. Non, impossible. Du coup, je vous propose de vous rencontrer là où vous entraînez pour pouvoir faire un feat avec vous. Je sais qu'en ce moment, nous sommes tous chez nous. Je m'y prends à l'avance et on pourrait faire ça selon votre emploi du temps. Nous sommes disponibles, peace. Salut Bastos, on en reparle à la fin du confinement. C'est ça la réponse que j'ai eue. C'est nul. Ah non, déjà. On en reparle, c'est pas oui. Ouais, mais on en reparle, c'est quand tu veux te débarrasser d'un médecin. Non. On en reparle, vas-y. C'est qui? C'est lui. C'est DJ, oui. La chaîne Fitness Fusion. Non, c'est vrai. Ah, Edson Villani. Bon, il y a moyen, non, mais le connaissant, il y a moyen. Hein? Tu savais que c'était lui. Tu savais que c'était lui. Hein. J'étais chaud ce matin, j'ai dit vas-y. Alors, tu vois? Ben sinon, il m'aurait dit non, nique sa race. Il m'aurait pas répondu. Vous dites, il y a moyen. Je sais qu'il y a moyen avec eux. Quoi, il y a 1 million d'abonnés, tu crois que c'est la fête? Non, ils sont sympas pour les rencontres abonnés, on peut le faire. Mais là, c'est confinement, il t'a dit on en reparle, il n'y a rien de sûr quoi. Il m'aurait dit non, en ce moment, nous sommes débordés. Ça, c'est une réponse qui veut dire. Mais là, il n'est pas débordé, c'est le confinement. Bah, c'est pour ça, c'est moi qui lui ai dit c'est le confinement. Mais regarde, après le confinement, il va avoir tout à gérer, son entreprise, ses concerts et tout. Mais il gère plus rien. Il n'y aura plus le temps. Ouais, il gère plus rien, il travaille plus, ouais. C'est même pas lui, ça y est, il y a des employés. Ouais, il y a des employés. Ah, ouais, mais c'est lui qui bosse le plus, c'est son entreprise. Ouais, mais je veux dire, ça y est, ça y est, frère, il y a les tickets et les tacs. Ah, parce qu'il y a l'argent, il travaille plus. C'est les mecs qui ont de l'argent qui travaillent le plus. Hein. Bah non, lui c'est, on va dire, c'est le gérant. Ah ouais, il réceptionne l'argent, il fait rien. Bah non, il y a les consignes à donner, c'est tout. C'est tout. Bah il passe des commandes peut-être, mais c'est tout, sans plus. C'est ça. Il fait des plus rushs journées que toi. Bah je sais, mais c'est ça, un mec qui est au-dessus supérieur à tout le monde, il fait logiquement rien, un directeur. Ouais, mais c'est lui qui doit tout gérer, ça prend du temps d'appeler, de faire ci, de faire ça. Ils sont deux frères dans l'équipe. Il y a PJ et lui. Il fait des heures, le temps il n'y en a pas beaucoup à mon avis. S'il y a autant d'argent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Nous on attend maintenant du coup, une heure là. Bon. On a l'habitude d'attendre, on a entendu on est dans un train 5 heures. Mais il n'y a pas une consigne, restez chez vous, nous on est dehors là. J'ai pas l'impression que c'est si grave, hein, tu vois. On dirait, hein. Il fait beau en plus, encore mieux. Bah regarde, il y a du monde quand même dehors. Bon bah on attend Serge, le gérant de la salle Orange Bleu. Merci à lui. Il me permet de pouvoir continuer à travailler. Ah, tu fais pipi en vidéo, toi? Arrête. Ah, il y a plus de tabou. C'est l'archouma, ouais. Ça y est, t'es à l'aise maintenant. T'as pris ton attestation? Ouais, dans ma voiture. C'est ça l'attestation? Ouais. Fais voir ce que t'as écrit. J'ai rien écrit.
T'habites où? Il met ta adresse. J'habite à 30 minutes de chez moi pour pouvoir passer les contrôles. Il a mis mon adresse. Je te balance, hein, ouais, direct. Il y a un flic, arrêtez-le. Hein. Il y avait des contrôles sur la route? Rien. Pas de flic, rien. Oui. Le confinement, c'était hier midi. Donc, quand on est arrivé à Lille, là, on est le lendemain. On est venu s'entraîner. Et ben, ça va. On a vu des gens qui courent, c'est calme. On va pas dire, il y a tout le monde, mais regardez. Là-bas, il y a une femme qui se promène. Mais les contrôles, moi, j'en ai pas vu. J'ai vu une voiture de flic, c'est tout. T'es en contact avec combien de personnes dans ton entourage en ce moment? Tu me vois moi? Ta sœur? Ma sœur? Ouais, je suis pas de sœur, hein. C'est pour ça qu'il est tout le temps dessus. Hein. C'est tout. Juste tes parents? Donc trois avec moi. Ça va, c'est pas dangereux, vous voyez? On respecte les consignes. Dans les commentaires, commencez pas à vous énerver. Ouais, c'est pas bien, on sort et tout. Moi, je suis en contact avec lui et ma copine. Donc si tout le monde fait comme nous, normalement, ça se passe bien. Enfin, prenez pas l'avion, hein. Voyagez pas. Qui a fait 300 pompes en 12 minutes. J'ai fait 58 pompes hier en 55 secondes. On va comprendre. Après, t'as la fatigue, hein, tu rentres en jeu. Bon, là, bah, plus moins concours, plus de pompes pour là, je t'en fais au moins 500. En 5 minutes, je t'en fais 5. Je t'en fais 5 fois 25, 250. En Paris, on fait ça en vidéo. Vas-y. Ouais, c'est parti. Je vais t'en claquer 100 la première. Tac, tac. Vous avez entendu ou pas? Il compte faire 250 pompes en 5 minutes. Il a dit qu'il pouvait les faire, il va assumer. À la fin de la séance spec, si tu veux, là. Il est là à 14h, bah, moi je pars, c'est tout. On va faire une séance à 17h ou à 18h. Aujourd'hui? Oh, je reviens. Oh, je dois faire mon truc. Il est déterré, il va faire encore 30 minutes de route. Il est venu 30 minutes de route, il va repartir 30 minutes, il va devoir revenir encore. Là, ça n'appelle vite fait téléphoner. 2 heures de route pour une séance, il est motivé le garçon. Là, en live, Serge, t'en es où? Non, je l'harcèle pas. Ah, tu l'harcèles pas, gros, tu lui demandes si t'attends ou si tu pars. C'est une réponse. Harcèlement, c'est. Harcèle, vas-y, viens. Là, il te répond pas, c'est tout, tu rappelles. Il m'a appelé, il m'a dit j'arrive. Ouais, mais c'est quoi son arrivage? Ah, c'est pour ça, arrive, ça peut être une heure comme dans 5 heures. Ah, c'est pour ça, appelle-le. Ah, moi je vais pas revenir 15 000 fois aussi, je veux dire. Alors, c'est quoi les bails? Moi j'ai folle, viens, on va trouver un casse-cou. Bon, ça sera un prochain épisode, hein. Est-ce qu'on va réussir à s'entraîner? On prend une voiture du coup, je laisse la mienne là. Ah ouais, on va pas prendre 15 voitures. Ouais, on prend ma voiture. Je prends ma lettre aussi. Ah ouais, non, bah non, on n'a pas le droit d'être à deux dans une voiture. Bah si, je dis on est gay, oui. Non, je rigole. C'était une bonne excuse, hein. Mais non, on va pas la sortir. Sinon, on prend un studio à deux, hein, vu qu'on vit à deux. Ce sera plus facile. C'est bon, ben on va faire une dégâts. Ah ouais, c'est ça, d'être venu pour rien, c'est la merde. Tu devais faire quoi comme séance? Je vais pas, je m'en bats les couilles. Vas-y, Boss, viens en fin d'après-midi alors. Pas d'entraînement dans cette vidéo. Pas d'athlète, Bastos. On se retrouve au prochain épisode, j'espère avoir la salle cette fois-ci. Bastos, check la fin d'épisode, sinon tu vas regretter quoi. On se retrouve dans 4 jours pour le prochain épisode. Ciao, les gars. Tu leur au revoir. Allez, ciao. Mais ils vont te manquer. Perfect.